Salut les fans de French Food, aujourd'hui je suis à Malemort, c'est en Provence, entre les Alpilles et le Luberon, et je suis avec mon pote Didier. Didier, il est producteur d'asperges et il m'a invité à récolter les toutes premières asperges françaises. Et je vous avoue que je suis assez excité. Bon, on y va Didier? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors je m'appelle Didier Ferreil, je suis agriculteur, producteur d'asperges à Malemort en Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Et malheureusement, on voit beaucoup d'asperges qui viennent de tous les pays, même des plus lointains, Mexique, Pérou, et plus près d'Espagne, mais qui arrivent lorsque nous, on n'est pas en production. Et c'est l'hiver, on ne mange pas d'asperges. Donc là, ça tombe bien que vous arrivez en ce moment, parce que fin février, début mars, là, c'est maintenant que les toutes premières asperges de la région arrivent. La vraie saison, c'est maintenant que ça commence, mars, et pour se dérouler jusqu'à mi-mai, en gros. Mais déjà, l'asperge, c'est un terroir, un lieu où elle est produite. Une variété, moi j'utilise essentiellement des variétés françaises qui sont peu fibreuses, contrairement à d'autres variétés qui le sont moins. Donc elle est très tendre et elle se conserve peut-être un peu moins, c'est pour ça qu'il faut la ramasser tous les jours et la consommer de suite, le plus près possible de la récolte pour avoir le meilleur goût. Et surtout lorsqu'elle pousse dans nos terres sablo-limoneuses d'un ancien lit de la Durance, c'est là qu'elles sont, elles sont au top. Ça a un goût incomparable. Voilà, c'est une asperge, nous on les appelle par un petit nom, suivant leur grosseur. Ça c'est la généreuse, voilà, qui fait plus de 22 mm de diamètre à la base. Voilà, une belle asperge qui rentre dans une belle assiette de chef. L'asperge, ça coûte cher, parce que d'abord tout est manuel dans ma pratique. Et dans la pratique de la majorité d'agriculteurs, c'est-à-dire qu'il faut récolter tous les jours à la main. Il n'y a pas de machine qui peut remplacer un travail comme ça. Donc déjà, c'est un coût. Ensuite, c'est une culture pérenne qu'on met en place pour une dizaine d'années. Donc les premières années pour installer la culture, on ne récolte pas. C'est-à-dire on plante au mois de mars. Et la première année, on ne récolte pas. Mais par contre, il faut entretenir la plante. Il faut entretenir... il faut travailler le sol, il faut éviter que les mauvaises herbes s'installent, prennent le dessus, il faut donner à boire, il faut donner à manger. La deuxième année, pareil, pas de récolte, mais toujours du travail, toujours un travail quotidien. Et on commence la récolte que la troisième année. C'est pour ça que c'est cher et il n'y a pas des rendements très très élevés. Donc on est obligé de... Il y a un coût. Et un coût qu'on a en France et bien sûr dans d'autres pays plus lointains, il y a moins de charges sociales, il y a plus de production dans ces cas-là parce qu'ils produisent moins cher et ils nous envahissent dans des saisons qu'on n'a pas forcément d'asperges ici. Tout l'hiver, on a des asperges qui viennent du Mexique, du Pérou, en parlant du plus loin, après d'Espagne, et qui ont un coût de main-d'œuvre bien inférieur au nôtre. Et des conditions de travail aussi qui ne sont pas forcément contrôlables. Ici, on voit ce qu'on fait, on est contrôlé tous les jours et puis moi j'aime faire venir les gens justement pour voir la façon dont on travaille. On enlève l'herbe à la main, donc un coût supplémentaire. Donc moi, 80% de ma production va dans les restaurants gastronomiques, chez les chefs. Moi mon travail, c'est de leur faire un produit le mieux possible. Et après, eux, je leur transmets le bébé et après, c'est à eux de faire la partie cuisine. Bon, Didier, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te piquer quelques asperges et on va aller voir un grand chef qui s'appelle Nicolas Botero et je vais lui demander son avis sur la question, ok? Allez! Bon,
On se téléporte immédiatement à Saint-Cana, on est à 10 minutes d'Aix-en-Provence et je suis au Mas Botero avec mon ami Nicolas. Salut Nicolas, ça va ? Salut, tu vas bien ? Bon, Nicolas, j'étais chez un producteur d'asperges qui s'appelle Didier, je pense que tu le connais un peu. Je lui ai chouré une botte d'asperges, la voilà. Ah bah super. Lui, il savait pas trop quoi en faire parce que c'est pas vraiment son métier. Et toi, je crois que c'est ton métier, t'as une étoile Michelin. Ouais, on va s'en occuper. Donc on compte sur toi. Allez, on y va. Eh bien, déjà, on peut les frotter comme ça les asperges. Quand on les frotte et que ça crisse comme ça, ça veut dire qu'elles ont été ramassées il n'y a pas longtemps. Après, au toucher, bah, il faut qu'elles soient fermes. Et ce qui est très important, on peut regarder dessous aussi, au niveau du pied de la coupe, bah, que ce ne soit pas très sec. Hein, ça prouvera que ça a été ramassé il n'y a pas très longtemps. Et ce qui est très important, comme on voit sur celle-là, c'est que sur les asperges vertes, bah, on a du vert partout. Et on n'est pas la moitié de l'asperge qui soit blanc. Le blanc, c'est ce qu'il y a sous la terre, donc ce qui n'a pas fait la photosynthèse. Donc ce qui est aussi un peu plus dur. Et du coup voilà, ici on a les magnifiques asperges où on a sur 25 cm, bah, tout se mange, on ne jette pas un tiers de l'asperge. Alors moi l'asperge je la cuis toujours, quasiment toujours à court mouillement. C'est-à-dire que j'évite de mettre des asperges vertes dans un grand volume d'eau parce qu'on va avoir un échange entre les minéraux, le goût, etc. qui est là-dedans, qui va se dissoudre dans l'eau, et l'eau derrière on n'en fait rien. Donc on va les cuire vraiment en mouillir un tout petit peu. Alors, regardez tout à l'heure, sur l'huile d'olive. Bon, vous l'aurez compris, on ne fait pas bouillir les asperges, c'est interdit. Jamais. Jamais. Bon Nico, tu sais pas ce qu'il m'a dit Didier ? Il m'a dit qu'il mangeait ses asperges crues parfois. Moi, ça, j'avoue que j'ai jamais goûté. C'est excellent, ça se fait ça ? Regarde, on va couper la pointe comme ça, ouais. Passer dans une mandoline. On va faire des petits copeaux comme ça. Tiens. Écoutez ça. Hop. Donc je mange ça cru là quand même. Tu manges ça comme ça. Ok. T'as le croquant et t'as la petite sucrosité. Mais du coup tu peux faire une petite salade en fait très facilement avec des asperges alors. Ouais, regarde, tu tailles en petits copeaux comme ça là. Pas très épais. Et puis tu assaisonnes avec une vinaigrette, avec de l'huile d'olive, un peu de citron, râpé de citron. Ça s'accorde bien avec les noisettes aussi, tu peux mettre 2-3 noisettes concassées. Et puis tu fais une jolie salade, une salade printanière. Trop bonne idée, merci Nicolas. Bon, on les fait cuire ces asperges ? Alors on les fait cuire ces asperges. Donc on les a taillées uniquement en deux comme ça. Et on va les cuire dans un sautoir, donc à la maison, hein, si on a même une casserole avec un couvercle. Le tout c'est d'avoir un couvercle, hein, parce qu'on va, venir amener un petit peu de matière grasse. Donc là en l'occurrence c'est de l'huile d'olive. On va les faire chanter à l'huile d'olive. Allez, ça chante mieux que de l'eau bouillante. Hein. Ah, ça chante très bien. Alors on essaye de pas les mettre trop les unes sur les autres, hein, pour qu'elles soient à peu près toutes sur la surface. On va assaisonner un petit peu. Alors deux intérêts, bon, déjà le goût, et puis on va faire sortir l'eau de végétation du produit. Alors l'asperge, il y a 90% d'eau. Du coup, on va commencer à la cuire. Comme ça à couvert, en faisant sortir notre végétation. Là, on va les faire ce qu'on appelle suer, c'est-à-dire sans coloration, on va les enrober d'huile. Voilà. On va venir déglacer avec un petit. Donc là, on a un bouillon de volaille, mais ça peut être un bouillon de légumes ou n'importe quoi. Et le but, c'est vraiment de créer le choc thermique avec la vapeur. Donc comme ça, on va fixer la couleur, on va garder l'asperge bien verte et on va avoir une cuisson rapide à court mouillement. Allez, on y va. Et là, on va les laisser jusqu'à absorption du liquide pendant environ 3 minutes. Tu vois, ça directement. Là, on a vraiment le joli vert de l'asperge qui a été fixé et par le sel et par la réaction avec la vapeur. Et puis après, on va les manger instantanément. Une fois qu'on a fini de les cuire, hop, on les pose dans le plat et on les mange. 3 minutes plus tard, Nicolas, on en est où ? Donc voilà, le léger mouillement qu'on a mis a été absorbé par l'asperge. Hein. Donc là, voilà. On a un petit glaçage qui se forme avec l'huile d'olive. Et puis, on va contrôler juste la cuisson avec une pointe de couteau. Voilà, ça ressort sans résistance. Les asperges sont cuites. Elles sont prêtes à déguster, alors on tarde pas, on y va tout de suite. Bon, ça y est, c'est cuit Nicolas, on va goûter. Hein. Quand tu penses que
Cette asperge, ce matin, elle était encore dans la terre. Parce que c'est moi qui l'ai cueillie. Et tu vois quand même vraiment la différence quand tu as un produit d'exception, un chef d'exception. C'est simple, c'est magique. Comme quoi, la grande cuisine, c'est pas toujours compliqué. Il faut de bons produits et un petit peu de technique. Et puis, tout se passe bien. Et là, je peux vous dire que tout se passe très bien. Salut les fans de French Food.